Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application XBackup pour votre iPod Touch ou iPhone jailbreakus le firmware 4.0 ou plus. XBackup c'est quoi? C'est une application qui est payante du Cydia Store au prix de 1,50 et ça permet dans le fond de tout backupper, comme ça dit ici, les APT et les DPKG. Autrement dit, toutes les applications que vous avez installées de Cydia et les sources, vous pouvez faire un backup si vous voulez restaurer votre appareil dans le fond. Alors je fais un backup de toutes mes applications. Puis ça l'enregistre dans un petit fichier qu'on peut mettre sur notre ordinateur ou soit l'uploader sur un serveur. Et par la suite, je restaure mon appareil, je le jailbreak pour remettre Cydia, je réinstalle XBackup parce que vous l'avez déjà payé, vous n'allez pas repayer deux fois. Alors vous le réinstallez et par la suite, vous cliquez sur Restore et ça réinstalle toutes les applications que vous avez backupées auparavant. Alors, il y avait aussi une application qui faisait la même chose, qui s'appelle PKG Backup, qui était aussi payant, mais qui est moins compatible avec le 4.0 ou plus. C'est pour ça que je vous conseille plus XBackup, qu'il est beaucoup mieux, je trouve, personnellement. Puis, c'est ça. Alors, ça dit, le backup, vous pouvez l'uploader sur le serveur du backup. Alors, ils se reconnaissent avec le UDID, je crois. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous l'achetez, installez, confirmez. Une fois que vous l'avez installé, vous allez voir qui ressemble à ça. XBackup. Donc, je vais juste aller voir parce que je ne l'ai pas checké à 100% s'il l'avait dans les réglages. XBackup. Normalement, non. Il est supposé être aussi simple que ça. C'est ça. Il n'est pas dans les réglages. Il est uniquement sur le springboard de votre appareil. Alors, si j'ouvre XBackup. Puis, admettons, je m'en vais dans Backup. Je vais juste le déliter pour commencer à zéro. Quand vous l'ouvrez pour la première fois, vous avez le petit point d'interrogation qui vous dit que toutes les backups vont être sauvegardés dans VAR Mobile Library CyBackup Backups. Alors, je vais aller vous montrer comment aller rechercher le backup directement depuis ce dossier-là par SSH tantôt. Alors, il y a trois méthodes de récupérer le backup. Alors, soit que vous le sauvegardez sur leur serveur automatiquement. Alors, ça, c'est la plus simple des méthodes. La deuxième méthode, ça serait de la chercher par SSH. Alors, par SSH directement, vous pouvez aller le chercher. Et la troisième méthode, c'est dans le fond, le synchroniser avec iTunes. Alors, dès que vous faites un backup avec iTunes, une sauvegarde, que je vais vous montrer tantôt comment faire, qui doit se faire automatiquement aussi, ça sauvegarde ce petit fichier-là. Et quand vous restaurez à partir de la sauvegarde que vous avez faite, eh bien, le petit fichier va revenir, vous réinstallez XBackup et vous allez le voir dans la section Restore. Alors, je vais tout vous montrer son fonctionnement. Lorsque vous arrivez dans XBackup, on va cliquer sur Backup en haut. Ça vous dit, voulez-vous vraiment créer un backup? Vous dites que oui. Et voilà, ça dit que le backup a été sauvé le 2011-5-17 parce qu'on est le 17 mai 2011. Puis là, ici, ça marque l'heure, dans le fond, qui est 14h38 et 4 secondes. Alors, tu as fait ce backup-là à telle heure, telle date, puis il a été sauvegardé à telle place. Alors là, vous faites OK. Si vous avez installé d'autres applications par la suite, si vous refaites un backup, il va en créer un nouveau. Fait que là, tu en auras un deuxième, comme quoi que tu as d'autres choses d'écrit. Alors, tu prends toujours le chiffre le plus gros, mais dépendamment de la date, là, c'est ça. Alors, tu prends toujours la dernière date pour avoir toutes tes dernières applications. Comme ça, tout est sauvegardé dans ce petit fichier-là. Alors, quand tu as fait tes backups, tu peux soit l'uploader sur leur serveur. Mettons, tu appuies ici puis tu cliques sur Upload. Ça va l'uploader sur le serveur de XBackup. Et par la suite, quand tu vas réinstaller XBackup après après que tu aies fait ta restauration, tu vas cliquer sur Download ici pour retélécharger le backup. Il va s'authentifier avec ton UDID de ton appareil qui est unique sur chaque appareil. Fait qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, ça, c'est la première méthode de récupérer les backups. Deuxième méthode, par iTunes. Alors, vraiment simple, vous branchez tout simplement le câble iTunes sur votre iPhone ou votre iPod Touch. Puis là, je vais vous montrer ça à l'instant même, juste un instant. Le temps que iTunes le détecte. Et voilà, admettons qu'iTunes a détecté mon iPhone. Ici, vous pouvez faire clic droit de la souris dessus. Alors, je vais juste le laisser faire le backup. Puis, vous cliquez sur Backup. En cliquant sur Backup, parce que là, il est en train de le faire, ou Sauvegarder. Alors, vous cliquez là-dessus. Puis là, ça va vous dire comment vous voulez l'appeler. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. Sinon, il va prendre le nom de votre iPhone. Mais normalement, lorsque vous le branchez, il devra faire une synchronisation et être automatiquement un backup. Mais c'est pas grave. Si vous voulez pas prendre la chance de passer à côté, faites un clic droit, puis cliquez sur Backup. Puis le backup va se faire sur
ben, dans la base de données de iTunes, dans le fond. Alors ça, c'est la deuxième méthode. Puis par la suite, quand vous avez fini la restauration, vous l'avez rejailbreaké, vous faites un clic droit ici, puis vous faites « Restore from backup ». Alors tu veux restaurer à partir d'une sauvegarde que tu as faite, puis tu dis laquelle, dans le fond, la dernière date, puis il va remettre tes contacts, tes musiques, tes vidéos. Ben pas tes musiques, mais tes contacts, calendrier, tous les petits détails. Alors une fois que vous l'avez backupé, ça c'était la deuxième méthode pour le backupé avec ce qu'on appelle la méthode d'iTunes. Et la troisième méthode, dans le fond, c'est vraiment pas compliqué, c'est via SSH. Ben, c'est pas vraiment... C'est la plus compliquée des trois méthodes, mais je trouve que c'est la plus... une des meilleures méthodes. Alors, si leur serveur plante sur Internet, vous avez plus le fichier. Si iTunes, il a mal fait votre backup ou il veut pas se remettre, vous avez perdu le fichier. Tandis que la méthode SSH, vous êtes sûr de l'avoir localement dans votre ordinateur, sauf si vous le supprimez, bien sûr. Alors là, on va brancher son iPod, Touch ou iPhone sur votre ordinateur. Là, il faut aller dans VAR Mobile Library, Side Backup puis Backups. Alors, ce qu'il faut faire en premier, c'est télécharger ce qu'on appelle Diskade, qui est une application qui est valide pour 30 jours d'essai, qui va vous permettre de naviguer dans le répertoire root de votre appareil. Alors, vous tapez Diskade sur Google, je vais vous le montrer maintenant, là. Il est compatible Mac et Windows. Alors, vous écrivez Diskade. Là, vous allez voir le premier lien en haut. Diskade, qui est sur djdna.net. Alors, tu appuies là-dessus. Par la suite, tu arrives ici, tu cliques sur Download, qui est disponible pour Mac et Windows. Tu downloads la version pour PC, tu l'exécutes, puis tu l'installes sur ton ordinateur tout simplement. Par la suite, il y aura cet icône-là sur le bureau de votre ordinateur. On double-clique dessus pour l'exécuter. Alors, on va le laisser s'ouvrir. Diskade, là, il dit brancher votre appareil. Une fois qu'il est branché, à gauche, vous allez avoir le répertoire root. Ici. On y va là-dessus. Là, il y aura un petit message qui va vous dire êtes-vous sûr de savoir ce que vous faites, blablabla. Vous cliquez sur OK. Par la suite, il faut aller dans VAR. Alors, ici, VAR. Par la suite, il faut aller dans Mobile. Alors, je m'en vais dans Mobile. Ici. Par la suite, il faut aller dans Library. En passant, toute la redirection du chemin il est dans la description en bas de la vidéo quand vous faites plus d'informations. Là. Alors, Library. Par la suite, Cy Backup. Alors, CY Backup. Par la suite, vous allez dans Backups. Et là, vous voyez tous ces trois petits fichiers-là. C'est trois fichiers par backup. Alors, tu as le backup, le fichier pour qu'il s'affiche dans l'application, la liste, puis le meta. Dans le fond, vous prenez les trois. Mais ce que je vous conseille personnellement, c'est de revenir un dossier plus bas. Alors, vous revenez ici, puis vous copiez ce dossier-là, dans le fond. Alors, je le prends, vous le draguez ici. Ploup. Alors, quand je vais ouvrir mon dossier, tous mes fichiers vont être là. Alors, je restaure mon appareil, je réinstalle Cydia, dans le fond le jailbreak, je réinstalle X-Backup, je retourne dans le même répertoire avec Diskade, je fais juste transférer ça ici, et le tour est joué, mes backups sont revenus. Par la suite, je vais retourner sur mon appareil, je vais aller ici, je vais aller dans X-Backup, ils vont apparaître, les deux backups, je vais aller dans Restore, puis je vais cliquer ici sur Restore, puis il va remettre toutes mes applications Cydia, puis... C'était pas mal ça. Puis aussi dans Sources, ici, vous avez la possibilité d'envoyer vos sources parce que eux ils se backupent pas les sources. Alors, admettons, je veux cliquer sur cette source-là. Je peux me l'envoyer par email ou par SMS. Alors, tu te l'envoies par courriel directement ou par SMS. Fait que ça t'envoie toutes tes sources. Mais moi, je trouve que pour les sources, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que tu les envoies un à la fois. Mais tandis qu'ici, pour les DPKG, dans le fond, les applications Cydia, ça se backup tout en un fichier, puis c'est vraiment simple. C'était comme PKG Backup, mais encore plus compatible pour le 4.0. Alors, c'était ça pour l'application X-Backup pour votre iPod Touch ou iPhone, jailbreak le firmware 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesoppo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3isopro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.